et Premier ministre, qui c'est 2 Auguste, qui l'a avec nous, Soudina. Après ça, passé pour Sodea, PM, semble-t-il, tu as fait une visite dans la zone. Nous pouvons regarder ça avec des Augustes là, qui peuvent plus de détails sur comment ils mènent le gouvernement pour recevoir la nouvelle ça et puis objectif visite là et what next, comme tout dit tout à l'heure. Des Augustes, bonjour, comment vous êtes? Bonjour, Caraïbes, bonjour tout le monde. Effectivement, et au-delà de une visite, sans nous être capable de qui part en visite vraiment, c'est des opérations que la police nationale et de concert avec la mission multinationale de soutien à la sécurité dans le pays d'Haïti. C'est opération qui déjà commencé à mener, qui a continué à mener, donc, dans le fief, au groupement criminel, pendant que je parlais avec vous là. D'abord, nous avons souhaité et dit à la population que le gouvernement dans son ensemble, mais le chef du gouvernement, Dr. Gary Conin, lui-même, l'a déploré et condamné à toute force, les agriculteurs. Si nous voulons bandits opérer dans la zone CEMAP, notamment pour sonder côté que ont fait plusieurs morts. Le gouvernement condamné ça énergiquement et tant qu'on nous dit déjà prend des mesures pour rétablir l'ordre et la sécurité dans le bazar Thibonite, notamment à Ponsondé côté que regroupement criminel fait plusieurs morts et plusieurs blessés qui étaient deuil et pleurs dans les membres de la population. Une confirmation de Kababay pour l'auditoire Radio Caraïbla, c'est que désormais la police nationale passer par la route pour y rendre dans l'Artibonite. Et ça fait hier. C'est par la route que le premier contingent de policiers haïtiens, accompagnés de policiers kenyans, c'est par la route, la palais de route Saint-Macla, et pour nous passer par Canaan, c'est route ça que la police a pointé, côté que la police vient pour y consolider route ça qui définitivement sous contrôle la police nationale. Ça veut dire, la police, c'est là où elle est passée, donc ça dit même la matin, quand on prend route là, on fait le tout. Nous pas demandé population prendre route là déjà, parce que nous sommes dans une situation. Attendez, il y a une grande nuance. Hier, la police, les mêmes n'ont pas fréquenté zone non. Jeudi, a confirmé que la police passait par la route pour descendre ses marques et il va le consolider. Opération qui menait dans zone Canaan, notamment route qui menait vers ces marques de la passer Canaan, vous voulez dire qui ça pour nous, voilà. Qui attendait là. Voilà. Il y a un signal clair que les autorités de l'État apprennent contrôle, espace qui sous contrôle, regroupement criminel. Votre parole. Le premier message. Votre parole. Si la police qui veut passer, sans c'est pas aucune opération qui menait pour faire et monsieur qui est occupé espace, courir, ça va vous dire. Monsieur, il doit juste décider de replier au moment et puis la police passer. N'est-ce que la police passer? Il y a un bagage qui a partagé avec nous. Nous ne pouvons pas partir dans la stratégie de passage ou stratégie d'opération de la police nationale. Ça m'a confirmé avec auditoire ou pour auditoire Radio Caraïbes, c'est que la police a mené des opérations et passé par route Canaan pour entrer Saint-Marc et la police a continué à mener des opérations dans la zone SAR pour consolider les actions déjà opérées, donc enregistrées, donc dans route SAR. Nous devons rappeler également que au-delà de contingents qui passaient par la route, il y a des hélicoptères remplis de policiers haïtiens et kenyans qui déjà trouvés dans la zone bazar Thibonite pour des opérations spécifiques dans le fief regroupement criminel. Et ça m'a partagé avec l'auditoire Radio Caraïbes. Ah, ok, donc ça veut dire désormais la police a fait opération dans le fief, elle dit zone ça vient. La police a pris le contrôle de tout espace là, notamment espace qui est occupé par le regroupement criminel. L'autre bagage qu'on peut partager avec Radio Caraïbes, c'est que ça qui passe là, le gouvernement a retiré le chapeau de bien bas pour les sympathiser et saluer Mémoire Moun Selayo qui est tombé innocemment donc sous les balles assassines. Et au-delà de l'opération, le gouvernement va accompagner Moun qui est blessé, qui est ouvert dans l'hôpital Saint-Marc. Et il y a un peu de temps, dépendamment de l'intervention que Kayo nécessité, le gouvernement a accompagné pour capable bah, les soins nécessaires et ça en termes d'intervention rapide et urgente qu'a fait dans le cas de crise et crime que bandits sans foi ni loi ont opéré, perpétré sous la population civile. Alors, information qui t'a dit que PM n'a pas l'autre bois, donc c'est pas confirmé, c'est pas on visite, il va pas aller. Au-delà de présence Premier ministre, Dr. Gary Conin sur les lieux, nous voulons confirmer pour Radio Caraïbes
que des opérations sont en cours pour reprendre le contrôle de la zone et rétablir la paix et la sécurité dans le bazar Thibonite. Maintenant, porte-parole, en présence PM après forfait sa bandio sur commettre l'autre bois, il veut dire qui ça? En termes de gestion, de gouvernance, le chef lui-même, il doit sympathiser, démontrer, et c'est vrai, qu'il est très empathique à l'égard de douleur population. C'est à Loué Mounio, parler avec eux et faire comprendre que l'insensible est son réalité à sa traversée, à sa vivre là. C'est pour visite, uniquement pour des visites, mais c'est à Alphélie d'une compréhension personnelle, parce que tendez à quoi, c'est deux. Parce que y en a bagay, ou même qui journaliste, certainement, qui qu'on le fait, bien qui était des bureaux, qui était dans le microphone, dans le téléphone, il dit après journaliste. Mais on pas jamais vraiment, alors là, me dit, ou même non, pas parler de bureau, mais mon journaliste, ça va pas jamais dire une compréhension réelle de ce qui a passé dans la région. Ma bon exemple très simple. Alors, moi, fait, est-ce qu'on est, c'est un journaliste sur 10, pour ne pas dire un journaliste sur 100, qui comprend réellement la gravité de la situation qui s'établit dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Nous comprenons ça. Comme journaliste, madame, vous allez comprendre. Il y a un journaliste sur 10, on va dire un journaliste sur 100, et je vais expliquer. On va le comprendre. Nous comprenons que nous sommes en situation précaire, nous n'avons pas de matériel nécessaire pour nous aller dans une zone de guerre. Parce que même les journalistes de guerre, les reporters de guerre, ils ont besoin de casques, ils ont besoin de gilets, ils ont besoin des entraînements spécifiques à ça. Nous comprenons que c'est des matériels qui sont coûteux, ils sont capables de dire même pour le monde qui a visio. Mais si des professionnels de la presse, sans que je regrette que nous n'ayons pas moyen ça, tu as gagné accès, tu es capable, ouais, qui ça capable passer par exemple à l'hôpital général, côté que nous totalement détruit l'hôpital général, puis tu descends vraiment au cœur du Port-au-Prince, puis tu es capable de voir qui ça regroupement criminel vous fait. Donc, si nous allons abdi à nous général, mais de cœur Port-au-Prince, côté administration réelle Port-au-Prince, côté le grand commerce payé, côté que les grandes infrastructures, si vous voulez, historiques et touristiques, côté que Bandio dévalisé, si vous voulez, détruit tout espace là, nous avons notre mode d'approche de situation de crise là. Sans faire de leçons aux journalistes, que je suis aussi et que j'ai pratiqué le journalisme pendant ces 20 dernières années. Alors pourquoi j'ai fait cet exemple ou j'ai pris cet exemple? Ça nous dit que le Premier ministre lui-même, il voulait aller sur les lieux pour être capable de sympathiser avec mon niveau, mais à l'ouest autour. Parce que j'ai eu le conseil présidentiel là de transition, c'est vrai, mais le chef du gouvernement, c'est lui qui mène l'action de l'État, c'est lui qui mène l'action gouvernementale. Donc on nous connaît à l'ouest, comme mon papa. Sauf que Timon Yotou qui fait accident. Pour aller Timon, il va suffire pour vous, comme vous pouvez manger, vous voulez, etc. Et moyen, métier, etc. Pour aller voir Timon, c'est ça le travail d'un bon papa tant que vous avez en droit. Maintenant, il va visiter les gens en bon père de famille pour se faire une idée de leur situation et prendre d'autres mesures et d'autres décisions dans le cadre de la résolution de cette crise. Maintenant, des Auguste, par rapport à tout ça, là, dans quel niveau nous, dans le gouvernement, nous pensons responsabilité à y, par rapport à ce qui passe là? Écoutez, je dis à la, l'État... Parce que d'accord, même, faut que bon responsable. L'État, on va parler de responsable, soit pas en termes d'action, monde qui pour prendre décision, bien monde qui te doit prendre disposition pour que ça crive à pas crive. Ok, il y a une confirmation que j'ai fait avec vous, de d'accord, il meurt ça, parce que moi-même, je suis dans le secret des dieux. Il y a des décisions qui vont être prises, et je suis capable de confirmer pour après-midi, parce que le directeur général de la police nationale, M. Normil Rameau, l'a sur les lieux également, la délégation qui descend à la rendre visite, à la sympathiser avec Mounio. Et il y a des mesures qu'il prend, capable de confirmer ça pour Radio Caraïbe. Peut-être m'a pas mettre des noms sur la liste et m'a mettre des noms également sur mesure Silayo. Mais il est capable de confirmer avec vous, il y aura des mesures. Donc, je ne vais pas utiliser l'expression ça qui est un peu vulgaire, parce que nous sommes dans la communication publique et dans la communication gouvernementale. Mais qui casse les peaux doit les payer. Et c'est signal si là que le gouvernement Dr. Gaye Koni a dirigé à Vévoyer. Pas gagner tolérance pour le monde qui est irresponsable. D'ailleurs, il était dit dans plusieurs interventions qu'il fait pour
question de monde qui pas assumer responsabilité pour question de corruption, c'est tolérance zéro. Permettre que moi tourner vers vous dans quelques heures. Mais c'est Auguste. C'est pasteur Blaise, une bonne question pour vous. Allez-y donc. Mais c'est Auguste. Moi même son citoyen dans pays, m'a vivre, nous sommes artistes tout. Tu as plus possibilité pour me quitter pays ça. Et toute famille m'a vivre là. Et chaque jour, il y a dit que ça m'a fait là. Monsieur, est-ce que nous ne pas faire de nouvelles? Est-ce que nous ne pas ouvrir la radio? Est-ce que nous ne pas monter sur les réseaux sociaux pour nous commander un pays ça, monsieur? Qui ça nous décide de faire avec le pays d'Haïti? Qui ça nous décide de faire? C'est celle là qu'on va arriver. Connu pour le déplacer, pour le sympathiser. Sympathiser pour faire qui ça? Ça ne prend pas de monde ça. C'est là que nous nous besoin de visite seulement. Nous ne connaissons pas tout le groupe bloqué. Paysans pas qu'à rentrer avec denrées. Manger pas qu'à rentrer. Même nous avons mouru avec misère. Manger pas qu'à rentrer dans le pays d'Haïti. Nous avons mouru pas si par là. Monsieur, pays a gangsterisé. Pays a. Nous pas qu'à vivre. Nous pas qu'à vivre comme ça, monsieur. Prenez décision nous. C'est nous dans quel pays a. Débloquer le pays pour nous vivre, monsieur. Très bien. Et moi-même, je suis capable de dire, franchement, je comprends nous. Et vous comprenez colère et douleur qu'on va partager dans le microphone Caraïbe et pendant, souvenez, bon, fait élaboration ça à la suite de la compréhension de questions dans la main posée. Et que vous comprenez au-delà de la non-question. Et nous partager, genre de préoccupation, c'est là-haut nous-mêmes au sein du gouvernement. Le docteur Gary Conny, comme chef du gouvernement, partager, genre de préoccupation, c'est là-haut, est très sensible, très attentif à eux. Pays à gangstériser, malheureusement, oui, mais. Heureusement, nous avons un gouvernement qui tout neuf, qui vini, qui a débrouillé lui chaque jour, tant qu'on met Jean-Jacques, pour capable de porter une solution, même un temps soit peu. Monsieur, désolé. Argumenter. Laissez-moi finir parce que la colère de l'ami a été immense et dense. Allez-y. Au moins, par respect pour lui, il faut être capable d'élaborer et comprendre lui. Maintenant, qui ça nous fait, tant qu'on nous connaît lui, lorsque le gouvernement est même installé, le docteur Gary Conny, avec récemment le gouvernement, changer leadership. La police là, donc on est gagné et le docteur et le commandant Normil Rameau comme le nouveau commandant de la police. Nous changer et leadership l'armée a également. Au-delà de ça, on a une opération, intervention, changement qui fait que ce soit dans haut état-major la police là, dans haut état-major l'armée. Grâce au leadership, mais aussi et surtout à la confiance que la population a, ils ont voué à Dr. Gary Conny, mais aussi international, là, ils ont voué à Dr. Gary Conny, ils ont accepté le déploiement de mission multinationale, là, qui même un temps soit peu accompagne la police. Des opérations, pendant ma parole avec vous, là, à fait dans plusieurs points, dans plusieurs coins, dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, là. On ne va pas détailler sur ça, mais nous connaissons, je dis à peu on ne va pas être dans l'air en champ de masse, là. Nous avons des mouns à le couille machine, nous avons des mouns à le fêter, parce que la situation a été fragile et volatile, parce que les bandits ont un peu partout pendant ma parole avec vous, là. Mais, la police nationale, les forces armées d'Haïti, c'est pour la première fois que l'on met les mains ensemble pour être capable de gommer contre le groupe criminel. L'autre action, vous parlez de visite. Il y en a pas avec la population qui est plaignée. Dans une situation de détresse, il y a eu qu'on est seul. Non seulement l'homme qui mourit, dans douleur, dans détresse, mais nous avons contrôlé pour partager sympathie avec lui, partager douleur avec lui. Nous comprenons ça, voisinage et ses familles, et c'est ça qui cultionne. Lorsqu'on problème, les amis qu'on gagne, famille qu'on gagne, accompagnent nous dire qu'on n'a pas pour contour. Et pas pour contour, c'est pas seulement bon, mais parfois, pour petit sucre, pour petit café, pour petit sel, pour petit charbon, pour nous dire, malgré nous contre le déboisement, pour petit l'argent, pour petit comme. C'est ça, c'est solidarité, c'est unité, union, mais en fait, je n'avais pas l'eau, ça, que nous. Eh bien, le gouvernement, c'est un gouvernement culturel. Nous comprenons cette situation, cette sensibilité, et c'est pour ça. Docteur Gary Conny, c'est pas seulement à visiter mon lieu que d'y faire. Il me souhaite parler avec vous au début de l'intervention. Mais nous disons que la police, pendant ma parole avec vous là, a mené des opérations. Je suis à l'aéroport où nous prenons rentrer dans la base Artibonite, moi-même, comme porte-parole pour le ministre, sommes déjà sur place. Et si on a planifié avec quoi, Denel, capable de confirmer ça avec vous. Maintenant, gagner, tant qu'on me dit, des hélicoptères qui sont déjà en préparation, gagner des contingents qui sont sur place à Goumé. Nous connaissons que ça pour qu'on suffit. Nous sommes sensibles à la situation de la population. Moi-même, tout, ma vive ça comme simple citoyen avec vous. Être porte-parole, au-delà de la compétence, au-delà de la matière, au-delà du talent, n'est qu'un hasard pour tout homme.
ça pouvait être vous, n'importe qui d'entre vous. C'est-à-dire, je vis moi aussi, je vis comme vous également, comme vous aussi, je vis la situation, je vis la douleur. Je suis du Cap-Haïtien, je suis du Nord, ça fait des mois que je ne peux pas traverser dans le Nord. C'est-à-dire, comme citoyen, vivre, mais comme... Je dis à homme d'État, c'est à moi de vous expliquer ce que fait le gouvernement et c'est à moi aussi de vous accompagner dans cette situation. Maintenant, vous parlez de comme monde qui était capable, moi-même qui était capable, là, je dois vous féliciter pour être de ces Haïtiens conséquents qui comprennent que c'est pas dans la fuite, c'est pas dans l'abandon que dans privé résoudre le problème. Ça. C'est dans la solidarité, dans la conscience citoyenne, c'est dans le patriotisme, c'est dans l'union. Sans nous les mains en pile, ça n'est pas loin. Et c'est ça, Dr. Gayakoni, comme chef du gouvernement, l'a demandé nous, comme journalistes, et l'a demandé tout reste, membre de tous les secteurs de la vie nationale, pour comprendre que cette crise, ce n'est pas à la police nationale uniquement de la résoudre. Ce n'est pas à l'armée d'Haïti uniquement de la résoudre. Ce n'est pas uniquement à la mission internationale de soutien à la sécurité de la résoudre. Ce n'est pas uniquement à la communauté internationale de la résoudre, parce que c'est notre crise à nous, d'ailleurs, quelque part. C'est nous qui l'avons créée. Et voilà pourquoi chaque journaliste, chaque docteur, chaque avocat, chaque monde qui n'a là, ou machin, ou machin, de comprendre que faut que nous pouvons couler pour nous résoudre crise ça, parce que les Népokou, c'est j'ai coulé de l'eau, nous sommes tous dans le même bateau. Nous comprenons le là, mais le gouvernement agit chaque jour pour rétablir la situation et ne pas faire back. Porte-parole, je me pose une question ça direct et allez-y. Je pense que je suis content de jouer une réponse là, non, mais est-ce que ça veut dire, par rapport à ce que tu as évoqué là, yo, à partir de jeudi à la Napalé là, gouvernement avec la police prend engagement pour éradiquer question bandit, foyer gang qui dans la Tibonite là. Est-ce que l'opération dérapé là, c'est opération qui pas camper dans route, c'est les l'a quitter la Tibonite, c'est que n'a dit la Tibonite ouvrir à circulation bandit yo, nous prend tout bandit nous fier. Si c'est ça pour nous comprendre qui démarre la matière. OK, opération ça a démarré déjà. Mais qui ça gagne de nuancer mon frère. Ou connaît les notre souffre longtemps, les dit non, la dali. Nous étions dans une situation de dégringolade, de grabat. Nous vivons dans une situation de désespoir. On ne va pas parler de désespéré. Donc, on va parler peut-être de moi-même, tout, qui a vécu cette situation. Nous avons dormi hier soir, du matin, me lever, et puis, nous avons tout d'arrêt résoudre. Et c'est normal, c'est humain. Mais ça, je voulais dire que le Premier ministre a demandé chaque 20 citoyens, chaque 20 citoyennes. Situation, ça, nous l'a donné là. L'armée d'Haïti, la police nationale, les amis d'Haïti, notamment le Kenya, la Jamaïque qui commençait à fouiller des accompagnateurs, on a parlé de policiers et militaires. Il y a agi. Les cerveaux du pays, les membres du gouvernement, les stratèges, il y a agi. Mais, il y a un bagage qui créé pendant des dizaines d'années, pour ne pas dire des siècles, il y a une injustice sociale qui fait que ça arrive côté dérivé là, même si Bandi a utilisé ça comme argument pour faire démagogie, mais nous-mêmes, nous comprenons que nous déséquilibre social, nous déséquilibre économique, nous injustice criante qui trop longtemps a duré dans le pays, et ça, bah, quelque part, une sorte de alibi, aussi, si vous voulez, faux argument à certains mondes qui ont marché sous ça. Nous comprenons ça, mais nous l'avons dit, comme chef gouvernement toujours dit ça, on a parlé de Dr. Gayakoni. Nous demandons aux populations, fais-nous confiance. Et continuez à faire nous confiance parce que nous connaissons que Dieu fait nous confiance. Nous demandons également une petite patience. Je dis, ce n'est pas suffisant. Le fait qu'un monde capable de descendre dans Air Chan Nasta uniquement, nous ne demandons pas de crème parce que même si machine crème, il y a beaucoup de assez de confiance pour descendre. Mais au moins, il y a une machine qui a véhiculé, qui a circulé dans l'environnement. Il y a des gens qui ont urgence qui descendent dans des zones bien spécifiques, dans le centre-ville-là, faire des activités et faire des interventions et rapidement retourner à la caillou. Ça n'a pas suffi. Je le redis, je le répète, je le reprends. Ce n'est pas suffisant. Mais, pour qu'on ait un bruit, si patate fait pile, nous comprendre que ça va aider à reprendre confiance. Aider à reprendre confiance. Nous voulons 10 populations, opération, pas camper. Mais est-ce que c'est demain que tout le monde a rétabli? Non. Non, non. C'est au fur et à mesure, le gouvernement a fait bilan, le gouvernement a partagé avec la population les interventions, le gouvernement a rétabli confiance dans l'espace, pas à tout. Parce que les premiers ministres ont parlé de Kaye pas Kaye, quartier par quartier, nous pas fait bac là. Ce n'est pas uniquement craser Kaye, uniquement. Et c'est tout. Lorsqu'il est intervenu dans l'espace côté de bandits occupé, est-ce qu'on parle virer d'eau? Ou bien est-ce qu'on parle mettre uniquement militaire ou la police campée? Et si vous là, faut vous gagner l'école. Et si vous là, faut vous gagner loisir. Et si vous là, faut vous gagner manger. Et parents, si vous là, tout.
qui certainement quand il est tombé dans gang, malheureusement pas de dommages collatéraux, qui appuie psychologique pour le bail. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut pas voir la crise sécuritaire comme une unité ou bien comme un élément. C'est un ensemble, c'est un tout. Et j'ai parlé tout à l'heure de l'injustice sociale qui est une évidence. Oui, mais pas de parole. Ça ou pas qu'à ça a dit là, c'est bien passé tout en quinquennat. Et parce que ça parle, il y a nous gondé les ou pour les 7 février 2026. Bon, c'est ça, dit là, si c'est comme ça, on faut nous passer, nous pas qu'à faire des vœux matin, tout bas, résoudre. Mais le gouvernement, ça là, il va là pour au quinquennat, non? Ni pour 7 ans, ni pour 10 ans, non? Très bien, très bien. Et là, on parlait de quinquennat, on ne peut pas même parler uniquement de quinquennat, on parlé de siècle. De siècle. C'est le faux pour résoudre ce problème, mais ça me dit, on parle de siècle. Eh bien, c'est ça, oui, responsabilité citoyenne, responsabilité partagée. Ça gagne là, au-delà du climat sécuritaire propice à l'organisation des élections que tu as faites, que tu as créées, mais le gouvernement qui viendra va devoir assumer également ses responsabilités. Ah, mais c'est ça qu'on gagne. Souvent, nous pas agi pour nous créer une stabilité pour le gouvernement qui viendra, pour les autorités qui viendront. Nous agissons dans notre propre intérêt par nous. Eh bien, nous pas qu'à craser briser tout, non? Si nous craser briser uniquement nous-mêmes, hier, je peux le confirmer et l'affirmer. Pas de grand peu journaliste qui va même sortir à le travail, non? Ou aujourd'hui, il y a plus gros sacrifice, une pensée que le monde est capable de faire, c'est prendre la rue, alors qu'à un moment de la durée, il n'y a pas quand même prendre la rue. Alors que aujourd'hui, ce n'est pas suffisant, je le reprends. Le premier ministre a dit qu'il n'est pas totalement satisfait de ce qui se fait aujourd'hui, mais. Bon gré malgré l'école qu'elle ouvre, bien côté, c'est vrai, il y a des bandits qui toujours prennent jeunes et timonés en otage, ce que nous déplorons, ce que nous condamnons, mais l'école l'ouvre dans certains départements et géographiques du pays. Dans quelques espaces dans la région métropolitaine, 75 à 80, pas de chiffre, pas erré. En tout cas, l'école là, à forte majorité, a fonctionné. Nous déplorons et regrettons si nous ne pouvons pas aller à l'école. Nous condamnons le fait qu'il y ait des espaces pour nous capables d'être. Mais, je l'ai dit que. Au-delà du temps, mais nous-mêmes, c'est chaque jour que nous posons une action, c'est chaque jour que nous faisons une intervention. Lorsque j'ai dit nous, je parle de la police nationale, je parle des forces armées d'Haïti, je parle des missions étrangères qui sont avec nous, on a parlé de la Jamaïque, du Kenya, etc., qui viennent accompagner nous. Et je parle aussi de la solidarité nationale et internationale qui est douée. Une solidarité agissante et effective pour aider nous à résoudre la crise. Ce n'est pas demain matin que la prison uniquement. Il faut qu'il y ait une élection qui est organisée pour nous passer. Maëtéia va être de nouveaux élus. Mais il y en a pas qu'à demander, c'est compréhension, unité, solidarité, mais aussi et surtout une conscience collective, mais aussi et surtout citoyenne pour parvenir à résorber cette crise une fois pour toutes. Et. Ça n'a pas eu fait lire, tant que vous pouvez ça toujours dit, face à ça, nous n'avons pas fait battre. Pas de parole. Et à plusieurs reprises, vous faites mention de mission multinationale là, comme force qui a goûté sous terrain pour aider dans résoudre la question de sécurité. Là. Est-ce que ça arrivait quand vous avez dernier bilan que vous avez après 2 mois dans le pays? Ça privé. Moi-même, personnellement, mais comme porte-parole Premier ministre, et Premier ministre toujours dit, heureusement, je peux m'appuyer là-dessus. Journaliste, mais tout. M'abgat, tu vas répondre. Allô? Oui. Vous m'avez pas continué. C'est grave, peut-être, lorsque chaque citoyen appelle un étranger, pour demander à l'étranger, qui ça a été fait pour nous ou pas. Voici. Et bien, montrer le génocide, non? Voici le titre de la mission. C'est mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Moi-même, c'est vrai que je suis dans le secret des dieux, je n'irai jamais demander à la mission son bilan. Je demanderai à la police nationale. Et c'est ce que j'ai fait. Dans les instructions que le Premier ministre a passé, ou que le chef cabinet du Premier ministre a passé, ou que le cabinet a nous discuté ensemble. Je demande chaque jour au directeur général de la police nationale d'Haïti de nous fournir un bilan de ses actions. Mais non, ça, parce ça que la mission, laissez-moi finir, parce que la mission travaille sous le leadership de la police nationale et des forces armées d'Haïti, le leadership cohérent qui, je dis, a uni. On a parlé de directeur général et police nationale là et général en chef l'armée. Oui, il y a en pile intervention, en pile action qui fait en termes d'opération pour rétablir la sécurité, mais aussi et surtout reprendre le contrôle des espaces occupés par des regroupements criminels. Dernier bilan, nous
Et moi-même, avec direction communication, que nous avons accompagné, direction générale pour le Saladali, qui a plus d'une centaine de bandits qui sont tombés. Mais c'est dans des espaces un peu fragiles. Population, c'est de bonne guerre qui vous posez des questions. Côté Zamio, côté X, côté Y, nous connaissons que population voulait plus que ça et méritait plus que ça. De ce fait, n'attendons que population capable de vivre nos niveaux de satisfaction personnelle. Bien dit, parce que c'est pour population notre travail. Si c'était pour moi-même, Jean-Jules Les Augustes, on est capable de dire que ce n'est pas nécessaire. Peut-être c'était pour vous-même, peut-être c'était pour le ministre, peut-être c'était pour le chef cabinet. Mais non, nous ne sommes pas capables d'agir pour nous, nous ne sommes pas capables de parler pour nous. D'ailleurs, le pays a déjà offert nos trois privilèges, déjà ben, nos trois opportunités. C'est ça qui fait que nous-mêmes, comme monde qui est dans l'État et qui est conscient, le chef de gouvernement, Dr. Gaïkoni, qui est conscient, il paraît que des bureaux, il n'y a pas les Français, pas les Créoles, il parle anglais, espagnol, comme toute langue, il parle. Il n'y a pas fait ça. Il mettait pied à terre. Et il comprend qu'il ne suffit pas de parler. Il faut agir aussi et action s'il a eu, faut qu'il reflète aussi. Donc, attends population, désidérate ta population et c'est uniquement là que se trouve le vrai bilan. Vrai bilan, pas uniquement dans qui ça, pour combien de jours, etc. Au-delà de ça, et dans 100 premiers jours que Dr. Gaïkoni était présenté comme premier ministre, il dit que, il est conscient que Jodia, ce n'est pas uniquement question de chiffres de parler. Le vient dit, mais qui s'allie vive, mais qui s'allie ouais, il fait un état des lieux de l'administration publique haïtienne, il fait un état des lieux de la situation sécuritaire d'Haïti, il fait un état des lieux de la crise globale que vit le pays. D'ailleurs, il l'a dit lors de cette présentation, malheureusement pour le pays, les élites, les dirigeants, les responsables des secteurs ont sous-évalué la crise que vit le pays aujourd'hui. Et nous sommes parlé de sous-évaluation, ça. Côté que vous pensez que c'est uniquement la police nationale avec les armes, avec Charles Bendé, uniquement avec hélicoptère qui a résolu la crise. Eh bien, nous avons beaucoup détruit, beaucoup tué les têtes que nous nous demandons pour qu'ils tombent. Après, d'autres petites têtes vont pousser, vont repousser, etc. Nous-mêmes, dans le gouvernement, ça, hein, Dr. Gaïkoni, comme chef de gouvernement, a voulu tourner dans la situation si là. C'est pourquoi, dans tout le voyage que l'il fait, que ce soit un voyage qui a été fait il y a cela un ou deux mois à Washington, que ce soit voyagé sur le fait il y a cela quelques jours à New York à l'occasion de la 79e session ordinaire de l'Assemblée de l'Organisation, de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, lui présenter situation pays à ben partenaires. Et le compte que Dr. Gaïkoni a fait, au-delà de tout désirata, au-delà de tout tradit, commérage, au-delà de toute accusation, aucune de ces rencontres n'a été une rencontre personnelle. Et il y en a pas avec le Dr. Gaïkoni gagné. Les parents qui ont cherché visibilité personnelle, les gens qu'il a rencontrés, il les a déjà connus. D'ailleurs, Gobanao, c'est son leadership lié au travail. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune visibilité personnelle là-dedans. C'est pour le pays. Et c'est ça, nous, la sous-évaluation de crise que Dr. Gaïkoni les mêmes états présentés. Redéfinir la façon de comprendre cette crise et redéfinir la stratégie dans le cadre de la résolution de cette crise globale. Monsieur Desaugus, moi, j'ai une question pour vous. Bon, on peut diviser en deux. Vous parlez de collaboration qui doit gagner pour résoudre le problème de sécurité par rapport avec les responsabilités qui ont quitté sous la police stationnement. Nous dit que l'affaire de la sécurité en Haïti, ce n'est pas l'affaire de la police ni de l'armée, mais c'est tout le monde qui est entré là-dedans. Mais depuis quelques temps, il y a une menace qui était pendue sous Ponson 2 et il y a un commissaire qui quittait l'espace qui marchait 3 jours derrière le directeur général pour parler pour avertir que y a un problème qui va passer, que y a une attaque qui est imminente sous Ponson 2. Malheureusement, pas grand rien qui dit. Et c'est après l'attaque là que l'État réagit. Est-ce que le premier ministre Abdia là, lui-même il t'attendait? Et est-ce que l'information ça a arrivé sous lui? Ça, c'est la première question. Deuxième question, on parlait de l'hélicoptère. Nous savons que le commandant chef de l'armée d'Haïti t'a demandé l'État et pour l'État mettre l'hélicoptère à disposition de forces armées pour des opérations qui a faites surtout au niveau aérien. Est-ce que l'hélicoptère sont revenus ici ou est-ce que c'est l'hélicoptère de l'État haïtien? Ou bien est-ce que c'est l'État ici qui loue dans le particulier privé? La confirmation qu'on va faire pour vous, c'est l'hélicoptère haïtien, l'État haïtien. Donc, vous avez parlé de un membre pour l'État-major de l'armée qui demandait l'hélicoptère. Là, nous sommes dans un autre temps, nous sommes dans un autre gouvernement, nous sommes dans une autre forme de gouvernance. On nous essaie de capitaliser sur le présent parce que je ne suis pas là pour critiquer le passé ou bien les gens qui ont dirigé le pays. Maintenant, vous parlez d'informations, je ne suis pas au cabinet du directeur général de la police nationale, pas de détail ça. Hein? Mais peu importe ça qui arrive, que tu aies des informations ou que tu n'aies pas d'informations, c'est déjà grave ça qui arrive. Hein? C'est déjà grave et déplorable. Nous sommes dit, nous, on parle de monde qui a payé pour ça.
Pardon? Ou se dit nous, pral gen moun ki a pral paye pour irresponsabilité ou. Nou ap tan. Gade, yon nan stratégie que Dr. Galconi li même li genyen. Il pas dans question des gars fait autour de lui et puis pas quelqu'un de monde qui assume les responsabilités. Ouais. Non, pas rien ça. Pas rien ça. Et il y a un bagage capable de confirmer pour vous, c'est que si il y a des négligences qui potent, et le monde qui fait négligence, il y a payé. Dès que négligence, il y en a, je précise pour vous. Mm-hmm. Okay? Nous ne pouvons pas quitter la bataille, nous ne pouvons pas quitter les 200 nous ne pouvons pas faire en sorte de bien tout tourner caché l'ombre. Ce n'est pas ça qu'on a fait. Mm-hmm. Nous voulons dire que dès qu'il y a des négligences qui étaient potées, et c'est normal. Pour que la population amende, pour que moi qui porte négligence, paye négligence. Maintenant, je reviens vers vous pour vous dire que ça que pays à vivre là, il est déjà trop duré. Au-delà des formations ou pas, qui te gagne ou qui pas gagne, action ou réaction qui a fait à temps, c'est que c'est grave et déplorable. Et dans notre de presse que le gouvernement a publié, je vous dis, bien bon dans le matin, il dit ça, il condamne les actes ça, hein, et il promet mon accompagnement. Ce n'est pas uniquement le désir d'accompagner qui nous prend, mais c'est parce que c'est dans un mauvais moment qu'on connaît bons amis, qu'on connaît bonne famille. Nous sommes de bons amis, nous sommes la bonne famille de la population. Mmh. Maintenant, mmh. au-delà de ça, il y a des opérations qui ont continué, mmh. et la police a continué de consolider les endroits où l'armée, la police et la mission. Et nous avons opéré, nous avons consolidé parce que nous ne pouvons pas tourner dans la situation que nous avons avant. Et nous avons dit que nous devons dire, et ça, et vous-même vous constatez. Allô? Allô, allô? C'est comme ça, non? Mm-hmm. On ne peut pas attendre toutes les actions qu'on fait dans la région, on fait enfin, non? Je avoue une petite confidence. J'étais avec un gros patron média récemment. Il y a un plus gros patron média pour qu'on ait un pas cité, non? Mm-hmm. Et puis il a dit que même il y a telle station de radio, tel côté, m'aller monter, me descendre, c'est vrai, situation un peu fragile, moi un peu inquiet, mais je n'ai pas de problème aller dans la radio encore, non. Je n'ai pas de problème faire ci, je n'ai pas de problème faire ça encore, non. Ce n'est pas suffisant. Mais je comprends que Bagayo a amélioré. Ça, c'est le témoignage d'un patron de médias. Mm-hmm. N'oubliez pas que moi, je viens de médias. Mm-hmm. Je comprends la situation, le patron de médias a pété couille. Je peux. Et d'expérience, parfois nous sommes obligés de dormir dans la radio. Je prends un exemple, ça, c'est pour me dire que, il y a un pile de bagages qui ont fait. Je ne parle pas de bon créole en bois ici. Il y a un pile de bagages qui ont fait. Je crois qu'il y a un bon gentil de bagages qui ont fait pour établir la sécurité dans la région. Mais, nous comprenons que la population en veut plus et n'a pas agi pour y trouver plus. Laisse ça. Moi-même, Jean-Jules Les Augustes, je n'ai pas même besoin de parler, de m'expliquer ça. C'est vrai, moi-même, je n'ai pas même besoin de parler, population a fait de lui, porte-parole gouvernement, pour être capable de dire, mais qui ça lui, ouais, mais qui ça lui tendait, mais qui ça lui comprendre. Et c'est ça, me souhaitait. Et c'est pour ça, moi-même, je travaille aujourd'hui. Parce que leadership, si vous gardez votre position après un siècle, et que personne ne vienne après vous, c'est-à-dire, pas quelqu'un qui remplace, il n'y a pas de progrès. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'évolution. Nous-mêmes, nous travaillons pour le progrès, pour le changement, et pour l'évolution, voire pour l'amélioration des conditions de vie de la population de manière générale. Mais pour ceux-là qui vivent dans la région métropolitaine de Port-au-Prince et dans plusieurs autres villes de province, notamment dans le bazar Thibonite, côté que nous avons des opérations qu'a faites pendant ma parole avec Oulard. Ok, maintenant, nous parlons de bon ticket, nous parlons de bon ticket là. Tout dans la dernière question ça pour nous finir. Est-ce que jodi a population notamment population la Tibonite là ka gen garantie et bon genre garantie dans le gouvernement que ça rive pour son de a pas rive ou encore une prochaine fois. Nous pas souhaiter ça jamais rive qu'un autre côté. Grand proverbe français qui dit que la mort d'un homme c'est la mort de l'homme. Nous pas jamais souhaiter ça arriver, nous pas jamais souhaiter ça arriver. Non, parce que dit n'a pas disposition, nous a fait opération. Non, non, docteur Galconi, je suis au gouvernement et moi-même qui gagne échange que fait avec la police nationale, directeur général police là, nous capable dire non que désormais la police est campée sur ses pieds de guerre. M'a parlé avec vous là, opération a fait dans la Tibonite. L'armée mais même beaucoup de palis dans des points et dans des coins de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Des unités spécialisées de la police nationale ont mené des opérations. La mission multinationale de soutien à la sécurité dans le pays, il y a notamment la force Kenyane. Si vous avez des gens, je vais faire une enquête. Si vous avez des gens, ou qu'on est, qui n'ont pas de capable de demander si vous n'avez pas trouvé des militaires ou des soldats, s'il le faut, des policiers, précision. Hein? Des policiers kenyans ont mené, soulevé des échanges,
faire des passages dans l'espace. Je ne pas bien plus précision. Mais pour qui ça? Parce que je connais que trop longtemps, il y a une population en menti. Trop longtemps. Ça veut dire qui ça? Là qu'on y a là où il y a une parole de vérité, il y a une parole de vérité, mais on n'a pas 99 mensonges. On n'est pas obligé de gourmet en pile, débrouillotant, pour mettre Jean-Jacques. Ça que nous avons fait là comme exercice. Pour nous faire nous comprendre, c'est nous qui avons la vérité. Hein. C'est nous qui avons parole de lumière. Là. C'est pas nous qui sommes ennemis. Hein. Pour nous apprendre à identifier nous comme ennemis, pour nous capables de comprendre qui est ce qui est ennemi. Hein. Parce que vrai ennemi, c'est qui est ce qui est. Vrai ennemi, hein, c'est bandit à cravate qui passait des années à mettre des âmes dans la main pour la population dans les petits alors que c'est joué tout à gagné. Vrai ennemi, c'est les qui a fait trafic de drogue, qui a utilisé jeunes dans le ghetto pour manipuler, maltraiter les salaires, rejeter, jeter dans les chaussettes pour papier hygiénique. Vrai ennemi, c'est les qui la corruption qui chaque jour voulait prendre l'État pour choisir le papa. Pour qu'il sous ces lettres-là, et puis penser que l'offre sous ces lettres-là a plagué l'État de Brabant. Vrai nian, tant que le président a assassiné à Kondili, c'est l'équipe plongée en imprimante dans l'administration publique-là, et chaque jour, imprimante a poussé l'argent, a poussé gouttes, a poussé dollars américains, alors qu'il n'y a pas des services que doit l'État. Ce sont ces ennemis-là qu'il faut identifier dans cette crise globale, dans cette situation de guerre que vit le pays. Donc, nous comprenons que ça dépend tout pour nous apprendre dans les paroles de vérité. Ça, nous tolérons, nous très sympathiques à la situation, nous très sensibles, voici le mot que je cherchais, mais seul bagage nous demandons, anti-patience. Anti-patience, si je dis à moi-même avec vous, nous capables de sortir, moi-même c'est son véhiculer, c'est le fond de circuler, voilà, circuler dans la région métropolitaine, non, moi. Et comprendre la situation. Ça a été quelques mois, je n'ai pas de cas circuler. Ça a été quelques mois, je n'ai pas de cas sortir, mais mal manger dans le restaurant. Je dis à grand monde qui est encore un peu. Nous comprenons ça. Mais grand monde tout qui l'ouvre, activité qui reprend l'activité, dans plus de l'autre point dans les jeunes pour l'éternel. Et nous voulons dire qui a peur toujours. Jusqu'aujourd'hui, la peur a déjà changé de camp. Depuis ouais, des actions plus évidentes, juste un peu de patience. Et il y a compris, okay. Et il y a vraiment nous ouais. Pas fait. Merci un peu. Lui, nous sommes vraiment content de parler ça avec vous, Jean-Jules Desaugustes. Merci un peu. Merci beaucoup pour l'opportunité à Caraïbes. Et puis nous-mêmes, tous messieurs, merci pour le travail qu'on a fait. Permettez que nous avons un petit grain de mots avant d'aller. Docteur Gare Conning, l'air est venu, tourner en Haïti, tant qu'on nous connaît, il y a une préoccupation. Et me comprendre la préoccupation, il m'a partagé. Je dis, quel que soit le corps de métier que nous avons parvenu à lui, que ce soit médecin, avocat, agronome, infirmière, monde qui fait et métier manuel, ébéniste, maçon, etc., etc., etc. Nous pas capables de garder crise là. Tant qu'on des mondes qui à distance qui a gardé en crise. C'est comme on est capable de dire, nous avons gardé un bateau qui a coulé. Non. Voici la conscience qu'il faut avoir. Nous sommes dans le bateau. Et là, je le dis à moi, je le dis aux journalistes. Nous connaissons que reprocher des confrères de petites négligences qu'on y a hier dans le métier. Je ne vais pas dire plus que ça. Nous tous qui la créole parler, créole comprendre. Mais nous avons notre chance, nous-mêmes, je dis, c'est comprendre que crise ça, que le pays est en guerre. Il nous faut une position. Je ne vais pas demander la presse à faire travailler. Je suis journaliste pendant ces 20 dernières années. J'ai pratiqué ce métier. Mais nous, pendant des années ou des mois, bandits, mais nos campagnes de communication ont fait la population en peur. Je dis, la peur a changé de camp. Donc nous fait que même dans ça on a pu utiliser contre population, c'est les mêmes mots qui utilisent contre eux. Alors ça me dit. Mais faut des matières pour ça. Faut des matières pour ça. Des matières. Merci frère. Et n'a trouvé matière. Et ça m'a fait là, ces matières nous pas créer, non, que la propose à la population, parce que proverbe l'a dit, à la guerre comme à la guerre. Voilà. Merci un peu, Jean-Jules. Merci un peu. Merci mon frère. Merci.